Ouais, zut, j'arrive pas. Si, ça y est. On met trois. Oui, oui. Bon, ben, tu vois, ça danse. Ah, tu as goûté à la brioche. Merci. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Puis en face aussi, là, il y a une famille de... Il y a la famille des Chinois du restaurant d'en bas, là. Ils ont la pièce d'en bas pour vendre du... pour vendre de la marchandise à emporter. Ils ont une salle de restaurant au-dessus. Il n'y a presque personne. Et encore au-dessus, au deuxième étage, ils habitent. Ils habitent là. Et la femme du patron, elle a eu trois enfants. Elle a eu trois enfants en 4-5 ans. Et bien, bon, 7 ans maintenant, et puis le plus petit commence à couvrir. À moitié abstraite, à moitié concrète. Tandis que les gens, ils voudraient un truc très très concret, qui les mette en valeur. Moi, je n'essaye pas, de mettre en valeur la tête de celui que je fais, sous prétexte que je veux qu'il soit content de ce que j'ai fait. Si je fais un dessin, moi, c'est pas pour contenter quelqu'un. C'est pour faire un boulot, je sais pas, il y a une question d'honnêteté qui intervient dans ce truc-là. D'ailleurs, au point de vue philosophique, la nature en a besoin. Elle en veut. Et elle va se venger des gens qui disent l'honnêteté, c'est pour les cons. Tous ces gens qui vont, grosso modo, qui disent l'honnêteté, c'est pour les cons, ils ne le savent pas, mais ils courent un risque que la nature se venge. Parce que la nature, elle a introduit dans la vie la bienveillance, tu vois. La bienveillance, au tout début de la vie, ça n'existait pas. Et peu à peu, elle a introduit la bienveillance. Mais maintenant, tous les animaux sont bienveillants avec leurs enfants, bienveillants entre eux. C'est la nature qui a gagné ça sur la bestialité, sur la matière. Et maintenant, elle veut gagner l'honnêteté. Parce qu'avec de l'honnêteté, elle pourra arriver à la règle de fond de la nature, ça je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est meilleur demain qu'hier. C'est ça la règle de fond de la nature depuis le tout début, il y a des milliards d'années. Meilleur demain qu'hier. Et quand on dit ça à un scientifique qui n'avait jamais pensé ça, mais qui observe depuis très très longtemps l'évolution des choses, tout d'un coup il est ébloui, il dit, ah oui, c'est exactement ça, la nature est tout le temps en train d'essayer de perfectionner. C'est pour ça qu'elle a inventé la bisexualité, pour pouvoir prendre le meilleur de deux, pour faire le prochain. Mélanger le meilleur des deux, tu vois, et pas, ne pas seulement prendre sur un, mais prendre sur deux, bien différents. Ils ne sont pas de la même lignée. Alors, les deux ADN qui sont dans l'ovule au moment où le spermatozoïde arrive, eh bien, il faut qu'il en reste un. Et il y a donc la moitié des choses qui sont jetées. Et alors, pour qu'on soit le nouvel ADN, le choix c'est de, pour chacun, savoir si les yeux seront bleus, les cheveux blonds, ou le contraire, savoir c'est de prendre le meilleur, qui fera le meilleur ensemble.
Voilà celui que tu peux avoir. Celui que tu veux emporter, j'espère. Voilà. Oui, alors à ta boutique, si tu peux persuader. Celui-là, j'aime bien. Oui, bah, tu l'emportes. Attends, quel âge as-tu, Agatha ? Quel âge as-tu ? J'ai 23 ans. Bon, donc t'es adulte, donc je peux te montrer du, du truc érotique. Et tu peux signaler à ta galerie qu'il y a des trucs érotiques ici. Oui, parce que tu peux. Ils ont, et dans les galeries, il y a des amateurs qui passent, qui sont très amateurs de trucs érotiques. Hein. Tu sais, en Europe, les riches, ils ont commencé à collectionner des estampes japonaises complètement érotiques il y a déjà, je sais pas combien de siècles, avant Louis XIV, bien avant Louis XIV, ils collectionnaient déjà les... Il y avait un autre érotique. Oui, il y en avait un là, il a été bougé. Ça fait longtemps que vous avez fait ? Je n'ai pas daté. En plus, j'ai retravaillé dans les deux années assez de temps en temps pour... Et celui-là, moi, tu vois, j'aime mieux ça, ça a plus d'élan. Regarde, tu vois celui-là, c'est très figuratif, le sac est beaucoup moins figuratif, mais quand même, hein, c'est pas besoin de... C'est bien le même sujet, pratiquement. Hein. Non, c'est même plus là, ça doit être... Tu vois, c'est presque le même. Il y en a un autre. C'est quoi comme, comme technique? Ça, celui-là, ça doit être une empreinte d'un que j'avais fait. Il doit être à l'envers et j'ai dû mettre un... Avant que l'autre soit sec, j'ai mis ça dessus, j'ai appuyé, j'ai eu une empreinte. Ah oui, d'accord. Alors, regarde, il y en a eu un à l'envers, à partir de... Ça, ça vient de ça. Il y en a eu un entre les deux, parce que sinon il serait à l'envers, tu vois. Oui. Il y en a eu un entre les deux. Ouais, ouais, je le retrouve. Je sais pas. Ah, ça, c'est celui-là. Tu vois, celui-là, il est à l'envers. Ça, tu vois, j'avais... Alors maintenant, je ne sais plus. Lequel a été fait le premier des trois? C'est celui-là, celui-là. Mais c'est pas le même, non? C'est le même? C'est la... Si tu vois bien, c'est le même jeté de rouge. Sur les trois. Ah! Les collets? Je vais faire des bêtises. C'est son... Non, il est parti. Il est l'autre. Je sais pas. On vient d'en voir un, tu sais qu'il y avait que des points là. Où est-ce que je l'ai mis? Non, mais c'est pas vrai. Il y en a un que je viens de toucher ici, c'était une impression de ça. Ah voilà. Voilà. Et bien entre celui-là et celui-là, oui. Et celui-là, il y a celui-là. Tu vois ? Oui. Celui-là est à l'envers. C'est une empreinte de... Celui-là a été une empreinte de celui-là, ou le contraire. Et après, il y a eu une empreinte
Et celui-là avec celui-là. C'est les Kama Sutra entier. Comme je disais, celui-là je l'ai continué après. Alors, on voit plus très bien là. Ouais, il y en a d'autres. Tiens, il y en a un petit marrant là. Je sais même pas un truc pratique sur un truc qui m'a réussi. Je sais même pas. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai fait. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai fait parce que je viens de le retrouver il n'y a pas longtemps. C'est marrant parce que ça a traversé. Regarde, c'est les deux côtés. Oui. C'est une encre qui traversait le papier. Hein. Il y a un nom. Il y a Joseph. Hein, c'est bien Joseph. 74, ce ne serait pas moi qui l'aurais fait. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a signé. C'est qui Joseph? Je ne sais pas, je sais bien. En tout cas, c'est pas mon écriture. C'est pas mon nom. C'est humoristique, ça. On peut pas le mettre sur le balai. Attends, par terre. Tu peux pas proposer ces œuvres-là dans ta galerie? Non, mais... Là, tu peux signaler que tu connais la peintre qui fait des œuvres érotiques quand tu parles. Et puis si ça les intéresse, ben, tu vas le voir. Tu vas le voir, ouais.